Bonsoir, mes amis investisseurs, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous sommes ici pour un live euh, avec l'objectif de répondre à vos questions. Donc, euh, n'hésitez pas à poser des questions sur les chats à partir de maintenant. Évidemment, hein, quelques conseils. Évitez de demander, par exemple, Michael, qu'est-ce que tu penses des ABC arbitrage? Par exemple. Moi, je n'ai pas les données des 10 000 sociétés par cœur. Euh, je connais quelques centaines peut-être, mais profitez pour poser des questions plutôt par rapport à la stratégie, la mentalité d'investisseur, par rapport à les ratios, par rapport à, à les stratégies de manière en générale. Euh, ça ne veut pas dire que je vais vous empêcher de poser des questions par rapport à les sociétés, mais comme vous savez, j'ai besoin d'analyser la société pour donner un vrai avis. Donc, posez des questions. Cette semaine, on fait aussi euh, un masterclass on a eu les premiers épisodes hier. Demain, les mercredis, on a les deuxième épisode et les troisième épisode les vendredis. C'est très important d'être présent parce que je vais vous donner surtout à partir de maintenant, c'est très important les premiers épisodes parce que ça vous donne la base nécessaire et aussi des astuces pour mettre en place dans les deuxième épisode euh, des conseils pour euh, faire un bon management de votre patrimoine, peu importe les stratégies utilisées à la fin de l'horizon d'investissement, vous pouvez retirer de la rente passive. Même en utilisant les stratégies de C'est ça que je parlais sur le deuxième épisode. Si vous n'avez pas encore regardé, après ce live là je vous invite à participer et regarder la masterclass, les premiers épisodes, avant les deuxième qui arrivent demain. Aussi, sur la, la description de cette vidéo, vous avez mon groupe WhatsApp, mon groupe Telegram. Donc, n'hésitez pas à rentrer dedans. Vous allez recevoir les notifications, euh, les outils, les liens des lives. OK? On va pas à vous. On va pas vous jetez un million de messages par jour, c'est vraiment qui, des messages qui seront utiles pour vous. Okay? N'hésitez pas à poser des questions aussi, pas peur à, à votre portefeuille, à votre stratégie, ce qui je peux donner un avis. Évidemment, on ne peut pas aller très profondément sur l'histoire de chacun ici, parce qu'il n'y a même pas d'espace sur les chats pour poser des questions énormes avec des textes, mais vous pouvez résumer un peu pour que je puisse donner une opinion. Et finalement, dans quelques minutes, on aura ici, Mansour, un élève de ma communauté d'investissement insider. Donc, il va devenir insider d'élite. Donc, on sélectionne quelques élèves qui ont des bons résultats, qui passent à la pratique, qui connaissent euh, les contenus, qui ont tout regardé les contenus, qui sont présents sur les lives. Donc, c'est une façon de les féliciter. C'est dépassé ici, c'est un avec moi parce qu'ensuite, ils vont participer d'un groupe privé où ils ont de proximité beaucoup plus élevée avec moi et mon équipe. Et donc, c'est une façon aussi euh, de stimuler les élèves à regarder les contenus, à participer, aider tout le monde. C'est qu'on arrive à faire uh, très bien parce que no nous avons plus de 700 personnes dans la communauté, une communauté qui euh, permet de, 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 de développer, en fait, de, pas seulement des connaissances, mais une mentalité d'investisseur sur le long terme OK? Allez, allez, donc je vais commencer avec la première question. Allez, Alexandre a posé une question ici. Je vais répondre à deux ou trois questions avant d'inviter Mansour ici pour parler un peu de son histoire comme investisseur. Et après la discussion avec Mansour, je reviens ici. Je vais répondre à quelques questions également. Ça marche? Donc, allez, on commence avec la question d'Alexandre. Euh, que penses-tu de la gestion passive euh, via les ETF par rapport à la gestion active via les stocks picking Alexandre, je pense qu'il y a des façons d'investir facilement. Des façons d'investir facilement avec les... Pour l'investisseur débutant plutôt, on a des façons d'investir euh, tranquillement. Soit avec les ETF, soit avec une stratégie à dividendes, avec des dividendes élevés, des forts rendements. La stratégie ETF est la plus recommandée pour celui qui veut vraiment rester sur une stratégie très 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 passive comme vous savez euh, et beaucoup d'études ont montré c'est difficile de battre les marchés sur le long terme surtout si vous ne si savez pas comment analyser les ratios des sociétés si vous ne savez pas comment sélectionner les sociétés et avoir un bon management. L'effet euh, qu'il y a seulement 5% des fonds arrivent à battre le marché, c'est pas vrai. J'ai même un live dédié à ce sujet. Si on va regarder les fonds européens, américains, du Brésil, la Turquie, du Japon, en utilisant plusieurs, euh, plusieurs stratégies d'investissement, on arrive sur un ratio des 35-40% des fonds arrivent à battre les marchés, 60% n'arrivent pas à battre les marchés. Donc euh... Proche de la moitié, donc c'est bien bien différent des valeurs qu'on arrive à voir sur des, sur des articles un peu biaisés euh, juste pour euh, défendre les ETF. Moi, je défends aucune stratégie. Je pense que chaque stratégie a sa place. Et donc, pour quelqu'un qui veut investir de manière complètement passive, par exemple, si vous faites un portefeuille pour vos enfants, vous ne voulez pas passer du temps pour faire des analyses des actions pour vos enfants. Un ETF, ça suffit largement. Si vous voulez pas casser la tête et les sujets de la finance ne vous passionnent pas, un portefeuille ETF, ça suffit. C'est pour ça que dans ma communauté, dans les vidéos enregistrées, on a un module hyper complet d'ETF. Plus complet que beaucoup de formations qui coûtent 2000 euros. Je peux vous assurer de ça. Si vous doutez de ça, les vendredis il y aura des places disponibles dans ma formation. Euh, il y a 30 jours de garantie absolue. Vous pouvez même acheter, et garder les modules d'ETF. Si vous trouvez que c'est que j'ai parlé si ce n'est pas vrai, vous pouvez demander le remboursement. Et heureusement, nous avons un taux de réussite. Ça veut dire que 98% des gens restent dans la formation quand ils regardent la, la, les niveaux complets qu'on a dedans et tous les outils et les choses qu'on a dedans. Donc, je parle de ça pourquoi Parce que certains investisseurs vont vouloir garder une stratégie ETF et pourquoi pas mélanger avec une autre stratégie. Pourquoi je pense que la stratégie ETF elle est intéressante même pour ceux qui font du stock picking aussi Parce que imagine. Pour toi, c'était si français, c'est beaucoup plus facile de comprendre les marchés français, connaître un Ruby, euh, Société Générale, BNP, AXA, etc., Coface. Donc, c'est beaucoup plus facile de placer une stratégie à dividendes européenne. Et tu bah, t'as pas besoin d'analyser les marchés américains. Tu achètes un ETF américain qui performe super bien. Donc ça, c'est une façon de simplifier aussi la stratégie d'investissement. Ou vice versa, vous préférez investir en direct sur le marché américain et vous achetez des ETF sur le marché européen. Donc voilà, ça dépend aussi des objectifs de chaque personne. Évidemment, si vous voulez risquer un peu plus, vous allez choisir les actions par vous-même. Mais dans ces cas, l'objectif, c'est de battre les marchés, ok J'espère si j'ai répondu de ta question de manière complète, mais voilà. Seb, j'ai mélangé TF mon des titres et dividendes. Est-ce que c'est bon Bien sûr, Seb, c'est c'est parfait. Euh... Dans l'ETF Monde, tu as plutôt des sociétés américaines. La moitié de bois, ce sont des sociétés américaines. Peut-être si tes sociétés à dividendes sont américaines aussi, peut-être tu, tu peux faire un petit doublon. Donc fais attention à ça. Mais si tes sociétés à dividendes sont bien diversifiées, par exemple ailleurs, en Europe, etc., où elles ne font pas forcément partie des principales sociétés de l'ETF Monde, je ne vois pas de souci. C'est Comme je viens de dire, un mélange ETF plus une stratégie à dividendes, ça marche super bien. Parce que ça te permet d'investir sur des sociétés que tu crois. Qui tout pense à la rente passive et ça permet aussi de, de diversifier sur des autres régions et sur des autres sociétés. Je vois pas de souci. Comme je viens de dire, ça n'existe pas la meilleure stratégie. Euh, il existe des stratégies qui s'adaptent à chaque investisseur. Mais il y a des erreurs qu'on peut éviter. Par exemple, ta stratégie ici ETF monde plus dividendes parfait. Ok. Si tu, si tu euh, comprends tout comprend qu'il y a quelque chose qui te doit considérer, comme par exemple, il ne faut pas que les sociétés dividendes soient les mêmes euh, sociétés de l'ETF monde parmi les principales difficilement ça sera les cas, ok Donc, euh, parfait. Ce qu'on doit éviter, c'est par exemple, acheter un SP500, acheter un ETF Nasdaq, acheter un ETF Monde et placer tout ça dans les mêmes portefeuilles. Ça, c'est une erreur classique d'un portefeuille ETF. Vous ne devez pas faire des doublons ou triplons des ETF dans les portefeuilles. Si vous évitez ça déjà, c'est une grosse erreur à éviter, ok Dominique a commenté ici. Mansour, il est élite déjà depuis longtemps. Dominique, je suis complètement d'accord avec toi. Il manquait à uh, quel entretien mais Je suis d'accord. <laughs> Loïc a posé une question. Pourquoi prendre les critères 5% pour les actions à dividendes plus risquées avec l'âge que toi, au lieu des plages de 2,5%, 5% maximum, avec des actions de meilleures qualités en général Très bonne question, Loïc. Il y a deux façons plutôt euh, d'investir sur les stratégies à dividendes. Il y a plusieurs, mais je vais résumer les, résumer les deux principales. Soit on achète des sociétés aristocrates, des sociétés qui ont, ont, font de la croissance plus élevée et qui payent peu de dividendes, exemple Air Liquide, exemple Coca-Cola, exemple les aristocrates de manière générale. Soit on va acheter des sociétés à rendement plus élevé et qui pas forcément va exiger de la croissance. Il y a les deux stratégies. Mais quelle, quelle est la meilleure? Comme je viens de dire, il n'y a pas la meilleure. Chacune a des avantages et des inconvénients que je vais citer maintenant. La stratégie à dividendes où on va acheter des sociétés qui font 2% par an des dividendes, 3% par an des dividendes, pour moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi Parce que toujours, je dois faire attention au niveau du prix des sociétés. Ça veut dire que je dois recevoir les dividendes. Je vais recevoir les dividendes, plus je dois assurer une plus-value. Parce qu'à long terme, je vais faire les 6, 7, 8 des rentabilités donc c'est un type de stratégie de dividende que je vais recevoir de la rente passive mais ce n'est pas de la rente passive assez pour que je puisse par exemple avec un certain montant payer mes dépenses mensuelles des 3% imaginez des 3% vous devez avoir par exemple 500 000 euros des 3% de ça ça fait 15 000 euros max par un des rentes passives mais si vous avez un portefeuille à 6-7% des rentes passives bah, ça fait 35 000 euros 30 000 euros des rentes passives par un avec les mêmes montants investis donc déjà, quels sont les avantages et inconvénients des sociétés qui payent peu de dividendes? Un avantage, c'est que vous allez compter avec la croissance. Normalement, ce sont des sociétés qui ont un peu plus de qualité, ce sont des sociétés qui sont là depuis longtemps, en train de progresser dans les marchés, etc. Mais vous devez compter qu'elles vont continuer comme ça. Ça, c'est un inconvénient. Parce que ça demande un peu plus de management, un peu plus, ça demande de surveiller ces sociétés. Dans le deuxième scénario, on va acheter des sociétés avec des rendements plus élevés. On doit faire attention parce que normalement, elles sont moins chères parce qu'il y a un problème où la société peut pas avoir une croissance énorme. Donc, c'est pour ça qu'elle verse beaucoup de dividendes. Ça, c'est un inconvénient. Mais l'avantage, c'est que si la société, elle paye de manière pérenne 7% par 1, 8% par 1, on s'en fout si la société va faire de la plus-value. Parce que si elle passe une dizaine d'années, vous achetez 50 euros. Il est toujours à 50 euros après 10 ans, mais si elle a versé 7-8% par an déjà, vous avez déjà battu les marchés. La moyenne de sp sur les marchés américains sur 20 ans, euh, c'est 7 points quelques pourcents. Et donc, si vous assurez déjà une rente passif de 7-8, vous avez battu les marchés sans faire presque aucun effort. Et bonne nouvelle, normalement, les sociétés ne vont pas avoir un cours stable. Elles vont au moins corriger l'inflation sur le long terme. Donc, la façon de faire du stock picking et battre les marchés de la manière la plus facile possible, c'est de choisir des bonnes sociétés à dividendes qui payent des dividendes élevés de manière pérenne et des sociétés qui ne sont pas endettées. Si les sociétés vont sourire déjà 6%, 6,5%, 5, 5%, 7%, ,5%, vous êtes déjà très proche de battre les marchés. Il suffit que les sociétés puissent progresser 2-3% par an et vous allez faire 8% et demi, 9% et demi avec une stratégie très simple à dividendes. Donc euh, voilà, il y a des avantages et inconvénients. tu vois moi, je préfère acheter des sociétés à fort rendement et sous-valorisées. Parce que, comme ça, juste avec la rente passive, je peux assurer déjà, entre guillemets, l'effet de battre les marchés. Et quand j'essaierai à la fin de mon horizon d'investissement, juste la rente passive, ça, ça paye ma vie déjà. Ça paye un deuxième salaire, un complément des salaires, un complément des retraites. Si je compte toujours avec 2% des dividendes, je dois toujours compter avec la valorisation des actions. Et donc, si je vais compter avec la si, si je dois compter avec la valorisation des actions, bah, je préfère acheter des small caps. Donc, euh, je préfère acheter des petites sociétés à fort potentiel. C'est là que je dois faire vraiment attention à la plus-value. Donc, s'il faut voir, s'il faut casser la tête pour chercher des plus-values, je vais chercher des plus-values où je peux trouver vraiment des grains de plus-value. C'est plutôt dans ce sens que j'ai fait mon raisonnement, ok? Je vais répondre à une question ici de plus avant de parler avec Mansour et ensuite je viens avec vos questions. Ok? Florent, que penses-tu de coupler mes stratégies mocap américaines et mes stratégies type PA euh, et les cas échéants, Quelle répartition conse conseillerais-tu? Florent, c'est plutôt ça que j'ai fait et 60-70% de mes élèves font dans la communauté. Donc nous avons un. Un peu plus de 700 personnes, si on va additionner les clients des consulting et tout le monde, ça fait un peu plus de 1000 déjà. Euh, la majorité utilise cette stratégie. Parce que moi, je suis actif sur les stratégies Smokup américaines. Donc, moi, j'ai un portefeuille Cap américain. Et moi, je priorise les dividendes sur les PA pour les Français. Mais si vous n'êtes pas français, vous pouvez faire un investissement en dividende en utilisant un compte normal. Euh, pourquoi je pense que ça, c'est optimal? Parce que sur le marché américain, nous avons plus de 4000 petites sociétés. 4000 petites sociétés. Dans un marché euh, capitaliste à fond, euh, où c'est très facile pour une petite société gagner les marchés et progresser et après faire du chiffre d'affaires ailleurs, même en Europe, en Afrique, en Asie. Donc nous avons beaucoup plus de possibilités de smoke, beaucoup plus de possibilités de croissance. C'est chez eux, les Américains, qu'on a à Google, qu'on a Tesla, qu'on a Amazon, qu'on a Meta. Donc, je couple ça avec une stratégie PA dividende parce qu'on n'a pas d'imposition sur les dividendes si on achète des sociétés françaises. Et même l'imposition qu'on a sur des sociétés dehors de la France, sociétés hollandaises, allemandes, c'est un niveau de dividende très acceptable. Et à ce moment-là, nous avons plus de 150 sociétés en Europe qui payent 5% par an des dividendes. Plus de 150 sociétés en Europe qui payent plus de 5% des dividendes. Et parmi ces 150 sociétés, on a, on a bien au moins 50 ou 60 sociétés qui ne sont pas endettées, qui payent des dividendes à plus de 10 ans hein, et qui sont rentables. Il suffit de choisir 8, 10, 12, 15 pour placer dans votre portefeuille. Donc moi j'utilise ça. Euh, Est-ce qu'on peut faire différemment Rien n'empêche. Mais je pense que pour les cas, si vous avez accès au PA et vous avez accès au marché américain, Coupler les deux, si vous voulez une stratégie évidemment active, c'est le mieux que tu peux faire. Rien n'empêche de choisir une de ces deux régions et acheter des ETF aussi. Donc acheter des ETF américaines à la place de choisir les MOCAP. Ou sinon acheter des, des, des ETF européens à la, place, à la place de choisir des sociétés qui vont être dans les PA. Okay? Chris, qui c'est un élève de la communauté, demande si je vais faire un petit... Uh, et vu sur notre rapport à Morningstar, qu'on accède dans la formation, bien sûr, ça va arriver dans 10 jours, 15 jours maximum. Okay? Gilles, tu préconises qu'on peut avoir combien de stratégies avant de perdre les bénéfices d'une stratégie sourcée validée Gilles, je pense que dans les mondes parfaits, deux stratégies, deux stratégies, ça suffit. Trois stratégies, c'est déjà dans la limite, parce que ça commence à faire un peu compliqué pour manager. Par exemple, ETF, euh, des niches euh, d'intelligence artificielle, un, un ETF, par exemple, euh, des lois, et ensuite, tu vas achètes, tu acheter des cap américaines et des sociétés à dividendes européennes. Ce sont trois stratégies. Ça fait déjà un peu plus compliqué de manager. Donc, on ne doit pas en fait laisser une stratégie parce qu'on ne sait pas quand c'est la date exacte que une stratégie va fonctionner mieux que l'autre. On sait qu'à long terme, sur des périodes de 15 ans, 20 ans, les small caps vont performer mieux. Mais sur des périodes de 5 ans, comme c'est le cas maintenant en Europe, les small caps ne performent pas bien par rapport aux cas 40. Donc. Euh... On ne va pas changer des stratégies euh, juste en regardant ce que les autres elles font. Et on va pas garder la plus-value, les bénéfices d'une stratégie avant d'y aller sur l'autre. Parce que chaque stratégie, ça peut avoir une période différente des de fonctionnements. Donc, on va pas en fait faire les timings sur les stratégies. Okay Je ne sais pas si c'était exactement ça ta question, mais c'est ça que j'ai compris. Si ce n'est pas le cas, tu me diras ensuite ici. OK mes amis investisseurs, maintenant je vais inviter Mansour à discuter ici avec nous quelques minutes. Il va raconter un peu de son histoire d'investissement qui est super intéressante. J'ai posé certaines questions qu'est-ce qu'il a fait au début Peut-être vous allez trouver euh, que vous avez un historique même semblable à lui, ou sinon complètement posé. Et de toute façon, ça va vous aider. Parce que si c'est complètement différent, qu'est-ce qu'il y a dans la vie de quelqu'un qui a fait des choix complètement différents par rapport à moi Et si c'est vraiment proche de ce que vous avez fait, est-ce que vous pouvez trouver des billets que vous pouvez changer ou même continuer avec pour encore performer dans la bourse okay Je vais partager mon écran. Et ensuite, je vais répondre à des autres questions que vous avez posées ici sur les commentaires. Okay je vais répondre encore quelques questions ensuite. Okay je vais juste changer mon écran ici maintenant. Salut Massour, comment vas-tu? Salut, salut Michael, ça va? Très ça va? Bienvenue? Merci, merci, je suis très content euh, de rejoindre le groupe là, j'ai déjà vu qu'il y avait des noms dans le chat, euh, des personnes assez solides déjà dans le chat. <laughs> c'est vrai, c'est vrai, et écoute, ça me fait plaisir de t'avoir ici, bienvenue aux enseignants d'élite qui font partie des élèves sélectionnés, qui sont toujours présents au live, qui ont regardé les contenus. Euh, Aujourd'hui, on va raconter un peu euh, tes expériences, ton histoire dans la bourse, euh, j'essaie qui euh, J'ai su au milieu de ta histoire parce que tu étais parmi les premiers abonnés de la chaîne aussi. Hein, parmi, les, parmi quoi, les 50 ou la centaine des premiers abonnés, tu étais là, je pense, non? Ouais, je pense qu'on peut déjà dire insider zero, je pense. ouais nous est sommes là, c'est début début, bien début, là. Ouais. À 30, ouais. 35, 30 000, voilà, tu étais parmi les premiers. Et tu vas raconter aussi quest ce que tu faisais avant de me connaître et avant de participer de la communauté également. Bon, avant tout. Je vais te laisser te présenter, dire où tu habites, qu'est-ce qui te fait de la vie, voilà. D'accord. Donc, euh, j'ai 34 ans, euh, j'ai deux enfants et je, je suis marié. Euh, des, ma femme est dans le chat en plus, là, en sous-marin, donc euh, elle va contrôler si je dis des bêtises ou pas. Et, euh, <laughs> je suis ingénieur en, en génie industriel et euh, je travaille comme consultant SAP. Donc, SAP, c'est un logiciel de gestion d'entreprise. Et donc, euh, il y a vraiment une demande de consultants pour mettre en place ce logiciel chez beaucoup d'entreprises, on va dire. Et, euh, et du coup, j'habite en Alsace, à la frontière entre euh, la Suisse et, et l'Allemagne. Donc, euh, depuis, euh, je crois, 2018. Et avant, avant j'étais à Paris. Je travaillais là-bas. Très bien, très bien. Et tu as parlé d'SAP. Moi, j'ai bossé un peu avec parce qu'il. Quand On travaille avec de la finance, c'est un peu les systèmes qu'on utilise pour passer toutes les informations dedans. Au moins chez Alten, c'était le cas. C'est une société côté en bourse. SAPC aussi, une société côté en bourse. Donc, euh, on parle des grosses sociétés ici. Et euh, je veux savoir un peu euh, si euh, ta vie financière a commencé quand tu as commencé à travailler ou quand tu étais étudiant. Comment ça a commencé en euh, non, euh, non, pas du tout. À l'époque, quand j'étais étudiant, je ne pensais même pas à ça. Et même quand je commençais à travailler, je ça oh, dépend. Parce que ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé à travailler, euh, au début, j'ai acheté une maison euh, au Sénégal. Donc, euh, j'ai acheté. Je pas qu'elle est contrôlée voilà. là. Faut que, là, faut que je sois sûr de ce que je vais dire là. Donc, j'ai <laughs> acheté une maison au Sénégal, mais c'était pas de l'investissement. C'était plutôt de l'achat pour du patrimoine, etc. Mais ce n'était pas vu comme de l'investissement. Et en plus, quand on achète une maison, les taux d'intérêt, c'est des 7-8%. Bon, des fois, ça part même des 10-11%. Ici en France, les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Quand ouais. les taux, ils sont à 4%, ils ne veulent pas acheter une maison. Mais euh, des fois, il y a des taux, c'est 10%. En fait, mais les gens, ils achètent. C'est ça, euh, ça me un peu à Toll Brothers. Donc, euh, même dans l'immobilier, les gens, ils sont obligés d'acheter, même si, même si c'est cher. Mais uh -huh. bon, c'est une parenthèse, on va dire. Et, mais ce n'était pas du tout de l'investissement. Donc, je ne pensais pas du tout à ça. Euh, après, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, on est, Moi, j'étais plutôt immobilier. Okay, quand j'ai rencontré ma femme, on s'est mis ensemble. On, voulait, on a dit qu'il fallait qu'on commence à investir. Et les premiers investissements, c'était essentiellement l'immobilier. Donc, une partie acheter des terres, donc au Sénégal. Et l'autre partie, c'était euh, des, 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 des biens ici en France, donc vers, vers Strasbourg. Donc, on s'est lancé par là. Et finalement, mmh. en discutant plus, euh, euh, ça c'est vraiment, je dois donner le crédit à ma femme à 100%, parce que c'est elle qui m'a dit que les actions aux États-Unis, parce qu'elle a grandi là-bas, ben, je pense qu'il y a, je sais pas, 30% ou 40% des gens qui investissent dans des actions. Ce qui en France, nous, on ne pense même pas à investir dans des actions nulle part. Quoi. Donc, elle est là cette vision. Et elle, au début, elle m'a proposé de regarder une chaîne qui s'appelle Our Rich Journey, je pense. Mmh. C'est des Américains qui, au début, ils étaient dans l'immobilier, qui ont revendu leur maison et qui ont eu, je pense, 2 millions d'euros, je pense, de cash. qu'ils ont tout mis dans la bourse, mais ils achetaient des mutual funds. D'accord. Euh, euh, ouais, ils achetaient des mutual funds. Donc, euh, donc du coup, ça a commencé à m'intéresser. Et mm -hmm. ça a commencé à m'intéresser. Donc, euh, après, on a acheté un livre qui s'appelait « Comment euh, piloter un portefeuille d'ETF », je pense. Mm -hmm. Et on a commencé à acheter trois ETF. Un ETF okay. aux États-Unis, un ETF européen et un ETF emerging market. On a fait mmh. ça pendant cinq mois. Okay. Et au bout du cinquième mois, vu que plus le temps on regardait, elle, elle regardait les vidéos américaines, moi je regardais les vidéos en France. Donc, je suis tombé sur beaucoup de YouTube et par hasard, il y a l'algorithme qui a recommandé le tien. Je pense que c'était en mai 2021 ou, ou, ou février, je ne sais plus. Mmh. Et euh, par hasard, euh, quand je suis rentré euh, sur ta vidéo, j'ai vu qu'on était à l'opposé de d'autres types de vidéos que je voyais. Parce que sur ta vidéo, on voyait des graphes, la bourse depuis 1800 jusqu'en 2010. Euh, on voyait les ratios sur ton site internet. Il euh, y avait aussi les, le e-book. Donc, en fait, c'était des données chiffrées qu'on pouvait comprendre. Et mm -hmm. direct, là, je me suis dit, et euh, avec une fin on a eu une réunion. On s'est dit qu'il fallait qu'on contacte Michael pour, mm -hmm. euh, pour, euh, qui, en fait, qu'on ait un échange. Donc, on t'a contacté, mm -hmm. on t'a envoyé un mail. Tu nous as répondu assez rapidement. Et on a fait, je pense, quatre séries d'entretiens. Mm -hmm. Et à partir de là, on a construit euh, notre premier portefeuille. Mm -hmm. Et euh, c'était avant l'insider, ça. Ouais, c'était avant euh, la création euh... de la communauté. C'était quand je faisais ouais. encore les mm -hmm. réunions un par un, en fait, avec chaque personne. C'était tout le début. Ouais. C'est ça. ça. Donc, on t'envoyait notre patrimoine, on avait tout renseigné. Et en fonction de ça, on faisait. Euh, tu me demandais ce qu'on voulait, nous, c'était vraiment. Euh, on faisait une transition. Donc, la transition euh, ETF, small cap, c'était impossible à l'époque donc on avait fait une transition ETF euh, big caps rien que pour rentrer et après maintenant qu'on a commencé à diversifier euh, big cap small cap donc là on est pour l'instant je pense que 60% big et 40% small donc euh, ça c'est parti de zéro euh, c'est en train de s'équilibrer peut-être qu'on va faire 50 50 euh, on est en train de voir mais euh, c'est comme ça en gros l'historique euh, de de, de l'investissement d'accord et euh... Par curiosité, vous faites euh, du cash flow avec les terrains que vous avez achetés au Sénégal ou pas Comment c'est la situation en ce moment euh, Là, la spéculation euh, foncière, c'est à un autre niveau. Quoi. Donc, euh, un terrain qu'on achète, euh, euh, je ne sais pas, disons, euh, je peux donner des chiffres, disons, X euros multipliés euh, par 3 en, en même, pas, même, pas, même, pas, même, pas, même pas 4 ans. Euh, donc, euh, donc là, il y a plein de villes, mais on ne vend pas. Donc nous, on est en buy and hold pour l'instant. Très bien, très bien. Les gens ne rendent pas compte, parfois, euh, c'était pas récent, ça date de quelques mois, mais j'ai fait un live et j'ai comparé la performance boursière par rapport à l'IMO en général. Évidemment qu'il y a certaines régions où l'IMO explose, et on ne peut même pas comparer, mm -hmm. mais c'est la même oui. chose que choisir une société comme Google et dire écoutez, ça explose aussi. Donc euh, il y a des gens qui sont. Quand je dis qu'il n'y a, a rien de plus rentable que la bourse à long terme, les gens oublient qu'il y a des nuances. Mm -hmm. Il y a certaines régions, mmh. il y a certains pays, etc. De manière générale, ouais. on va prendre tous les biens immobiliers de la planète. On va prendre toutes les actions de la planète. À long terme, les actions battues, euh, les secteurs immobiliers. Mais est parfois, ça. une chose que tu as citée là, c'est très important, les gens ne rendent pas compte que l'effet de pouvoir acheter une maison facilement, ça existe dans peu de pays dans le monde. Et c'est le cas de la France, c'est le cas de l'Allemagne, mmh. c'est le cas de quelques pays européens. C'est pas partout qu'on va voir des... des des taux à 2%, 3%, 4%. 4%, c'est donné dans la majorité des pays du monde. Euh, je vais citer le Brésil, c'est un pays sous-développé, bien arrière, pas peur la France en termes de développement, mais quand même, si on va prendre les, je sais pas, une trentaine des pays dans les mondes, ça, ça fait partie de top 20, top 30 des pays dans les mondes. Et quand même, mm -hmm. les taux d'intérêt, euh, <laughs> c'est de 12% par an. Donc, euh, si tu achètes une maison et tu vas payer sur 20 ans, bah, à la fin, tu as, as payé 4 maisons, cinq maisons. Tu te dis, ouais, mais ça. comment ça s'est fait? Ouais, bah, soit tu fais ça, soit tu vas jamais avoir des maisons. Donc, euh, euh, <laughs> même les pauvres, les, les gens qui sont moins à l'aise financièrement, à la place des pieds déloyés des qui ne cessent pas d'augmenter, au moins ils préfèrent mmh. à payer un crédit à des 30 ans, 35 ans avec des intérêts très élevés, au moins ils auront quelque chose à la fin. Donc euh, juste en petite parenthèse, comme tu avais fait un parenthèse, j'ai fait un parenthèse aussi. C'est bien de citer ces types de choses, parce que parfois les gens et les gens disent ouais, mais les faits vies, on peut faire... Euh... Imprunter euh, de l'argent et quelqu'un va payer en fait les crédits pour nous parce qu'on va faire de cash flow, etc. Bah, si c'était si facile, tout le monde allait avoir 10 maisons, d'accord N'est-ce pas ça. Genre, genre, Tout le monde allait non, faire à 10 grand ouais. et aller voir 10 maisons, c'est pas comme ça. Il y a certains qui peuvent investir 50 euros par mois, des autres peuvent investir 1500. Il y a certains qui ont déjà mmh. des crédits pour la maison principale. Donc, vous voyez, on ne peut pas généraliser les, ces types de recommandations d'allocation d'actifs et euh, c'est pour ça que j'ai fait euh, ces parenthèses-là. Eh bah ben, écoute, tu as été parmi les premiers euh, à regarder la chaîne. Et euh, comme tu avais dit, tu as regardé des données, ça t'a fait plaisir. Peut-être parce qu'il te travaille avec des données aussi, quelque chose comme ça. Donc euh, tu préfères quelque chose de plus objectif en termes de données. Et euh, à ces moments-là, tu as rendu compte, donc grâce à ta femme aussi, hein, qui t'a fait regarder la chaîne et parler des investissements aux États-Unis. Et à, ces moments, à ces -là, ce moment-là, qu'est-ce qui t'a fait peut-être changer la stratégie euh, à, à ETF? Parce que comme on, tu sais, c'est une stratégie qui fonctionne aussi. Mais qu'est-ce qui t'a fait les déclics pour passer sur une stratégie, par exemple, à dividende, et uh, small Cap? Ouais. Après, toujours des ETF. Euh, mais après, c'est plutôt euh, là pour l'instant l'ETF World Momentum, qui est celui qui, euh, qui, qui domine, on va dire. Euh, donc, je n'ai pas vendu tous mes ETF, c'est juste que j'en ai euh, pris, euh, pris un autre. C'est que on s'y prenait au jeu aussi. C'est que on commence à aimer. Plus on se renseigne sur les entreprises, plus on aime, et plus on se rend compte que effectivement, euh, surtout sur la partie small, que au début que nous on était vraiment réticents. Je ne sais pas si tu te souviens au début, mais sur les small cap, on était réticents au début. Mais quand on se renseigne, quand on lit les livres, donc quand on, quand on commence à, à se renseigner sur toute l'histoire en fait, toute l'histoire de, 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 de l'investissement sur les actions, on, on commence à croire c'est possible. et Une fois qu'on croit, c'est plus facile euh, d'implémenter. De, de, Ce qui est difficile, c'est de ne pas avoir la vision et de ne pas pouvoir croire que en fait, c'est possible de, de mettre ça en place. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on a transitionné. Et il euh, mmh. y a eu une phase un peu compliquée où euh, on s'était retrouvé avec, euh, je sais pas, 35 lignes, par exemple. Mmh. Et je me souviens, on avait fait un live. Je pense qu'il y avait aussi un autre, une autre personne dans le cas, qui avait mmh. peut-être 50 lignes ou 49. Et en fait, ce que tu nous avais dit dans le live, c'est aussi, il y a des faits marquants dans les lives qu'on a eus, c'est que, en fait, c'est impossible d'avoir 35, 40, 50 lignes. C'est impossible déjà. Donc, il mm -hmm. faut se rendre à l'évidence, il faut accepter. Donc, il faut trier du premier au 35e et, et vendre les 10 derniers. Donc, euh, <laughs> nous, on a fait l'exercice. C'est une méthode premier, plus stricte, du... mais ouais. ça, normalement, avec les gens qui ont des billets, ça fonctionne. <laughs> ouais, nous, on avait un billet. Hein. Je veux dire, moi, j'avais un billet. Mm -hmm. Et du coup. Euh, du coup, une fois qu'on a un livret, on s'est retrouvé avec du air liquide dans, dans la 30e position qu'il fallait se séparer etc. Donc mm -hmm. c'était vraiment cœur craqueur, mais on peut pas avoir toutes les entreprises du monde quoi. Donc mm -hmm. euh, donc ça aussi c'était des, des phases qui étaient vraiment structurantes dans l'ensemble mm -hmm. des lives euh, je pense qu'il y a eu au moins 70 lives Bien plus, mm -hmm. je sais plus en fait, ouais, enfin, tous les mardis. Mais c'était des lives qui étaient structurants dans comment se décider, comment s'orienter. Et euh, on ne peut pas avoir toutes les actions. Faut, des fois, il faut accepter. Mm -hmm. euh, c'est comme le management de portefeuille. Des fois, il faut accepter que en fait, c'est perdu et euh, mm -hmm. ré réallouer le montant sur une autre et à, à aller de l'avant. Donc, euh, mm -hmm. ça, c'est un biais que aussi que j'avais à corriger euh, euh, sur sur le management. de D'accord, très bien. J'ai Pour euh, les gens qui ne font pas partie de la communauté ou ne comprennent pas les faits, pourquoi éviter d'avoir plus de 40 sociétés ou 35 sociétés? C'est que si on a des résultats trimestriels qui tombent et on a besoin de regarder juste trois ou quatre chiffres euh, des sociétés euh, quand il a des résultats trimestriels, imaginez que vous allez faire ça sur 40 sociétés, c'est presque impossible d'avoir un bon management. Et aussi, quand vous avez beaucoup de sociétés, je peux parier que vous avez quelques sociétés qui pèsent 1%, demi-%. 1.8%. Et si la société ouais, ouais. pèse vraiment, si la société pèse 1%, vous croyez pas vraiment sur cette société. Ah, mais quelle mais il y a un gros potentiel en 2030 parce que cette société peut devenir une géante. Si tu crois vraiment, pourquoi elle pèse 1% je reviens avec ma question. Et du coup, mmh. si la société, on se pose... La meilleure société de la planète, elle va battre les records des Monsters, la société américaine des boissons concurrente des Red Bull. Elle bon a fait la plus grosse hausse de l'histoire de la bourse jusqu'à aujourd'hui. On suppose qu'elle va battre les records des monstères Il sort 2 ou 3 ans et se multiplie, euh, je sais pas, par 15. Bah, ton 1% devient 15%. Si vous aviez 1000 euros dessus, ça devient 15 000 euros. C'est top, gagner tout ça, c'est top, mais ça n'a pas changé votre vie. Donc, c'est pour ça qu'on on a quelques règles qu'on va composer en portefeuille, quelques règles que j'explique dans ma communauté. Et vous allez même trouver quelques règles comme ça que j'expliquais gratuitement ici sur YouTube. Hein. Vous allez trouver sur les lives mm -hmm. des astuces comme ça. Et, et voilà. Et, euh, et aujourd'hui, quel est les poids de la stratégie à dividende, des small caps dans ton portefeuille Comment tu fais cette division Oui. Donc, euh, donc là, là, je suis à 60% big et 40% small pour l'instant. Et euh, mais c'était un long processus. Donc, on est passé à 10%, 20%, 30%. Et je pense que l'idée, ce serait de faire 40% big et 60% small et se, essayer de se stabiliser sur ça. D'accord. pense qu'on partirait plutôt okay. sur ça. Ouais. Ouais. Très bien, très bien. On partirait, plutôt, euh, on partirait plutôt sur ça. Il y a Patrick qui a fait un commentaire ici, notre collègue Insider. Et, et, regarde, tu as parlé d'un autre collègue avec 50 actions il a écrit. Avant de commencer la formation, j'avais 90 actions. Et je ne comprenais <laughs> pas que je ne performer pas Maintenant, j'ai 16, j'ai cartonné grâce à la formation. Patrick, euh, Merci. je te remercie d'avoir fait confiance sur mon travail, mais je te félicite. C'est toi qui as pris la décision d'échanger, c'est toi qui as fait confiance dans la théorie et pratique financière. C'est grâce à toi et ta décision que tu es, es en train de gagner maintenant. Je te félicite mm -hmm. pour ça. Très bien. Et écoute-moi, avant... Avant de, de rentrer dans la communauté d'investissement, de devenir euh, insider, est-ce que tu as hésité Il y avait quelque chose qui t'a pensé Est-ce qu'il vaut la peine de payer pour ça Et comment c'était euh, ensuite euh, Comment se passait cette époque-là ouais. C'est une excellente question. Nous, on est passé par plusieurs phases. Hein. Donc, euh, oui. la première phase, c'était te contacter. Oui. Quand on quand, quand, quand t'a contacté, en fait, qu'on a reçu le formulaire à remplir, oui, je ne sais pas, il y avait je sais pas combien de pages. On s'est dit, ah oui, ça, c'est du sérieux, en fait. <laughs> On s'est dit que celui-là, -là, c'est vrai qu'il dit, oui, je suis Michael, je suis, je, suis, je suis Brésilien. En fait, mon accent vient du Brésil, etc. Ça, c'est pour expliquer. Mais derrière, c'était vraiment sérieux. On a dit que Michael, il est là vraiment pour faire du sérieux. Les premiers entretiens, les quatre entretiens, à chaque fois, les questions étaient extrêmement précises. À chaque fois, tu nous demandais quel était notre retour. Donc, nous aussi, on pouvait dire ben, on, ce qu'on pense par rapport à ça. Et on, 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 on discute et on, on explique pourquoi cette position par rapport à ça. Donc, le processus était extrêmement sérieux. De, ce qui a fait en sorte que quand tu nous as dit que tu voulais faire une... une, une quand tu ouvrais un groupe insider, on, on s'est inscrit direct, en fait. Euh, pour nous, c'était clair. Parce que déjà, sur YouTube, il y avait plein de vidéos gratuites au début. Hein, Peut-être que tu ne te rends plus compte maintenant. Mais le contenu gratuit était vraiment de top niveau déjà. Mm -hmm. Donc ça, on sentait la différence. Quand on a fait le one-on-one, -on, -one, on a vu encore un autre niveau. Et donc mm -hmm. pour nous, ça a coulé de sources, de, mm -hmm. de, 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 de renseignants, d'insiders. Quand on a vu aussi tes, ce que les documents que tu partageais, les e-books, en fait toute l'information qu'il y a à l'intérieur aussi, c'était vraiment de, de, de très grande qualité. Donc, euh, donc pour nous, on n'a pas hésité en tout cas. D'accord. Ouais, Et euh, ouais. au niveau investissement, tu penses que ça vaut les coûts, l'investissement en termes financiers Aujourd'hui, la, la formation, ça dépend, à, ça dépend des groupes qu'on a, la quantité des personnes, mais c'est proche des 1000 euros. Et pour toi, tu ouais. penses que l'investissement, ça s'est payé Pour toi, comment c'était Et il faut être sincère, hein, bah, je ne demande pas la question. Oui, non, je suis sincère. Pour nous, c'est mille fois rentable parce qu'à partir Aujourd'hui, on on moi, des, on a des actions qui ne sont pas, par exemple, dans le portefeuille d'insider. Mmh. Parce qu'on est capable de nous-mêmes de, de mettre nos propres actions. Mmh. Et, à ça, ça, aurait, exactement. Et euh, si, par exemple, tu restes deux mois, disons, tu restes deux mois, tu ne fais pas de recommandation d'achat. Mmh. Non, pourra Des mois acheter pour nous notre propre compte. Il y a des mois, par exemple, les recommandations d'achat que tu fais. S'il y a 50%, on achète, mais 50%, on a acheté d'autres parce qu'on a d'autres actions. Mais c'est parce qu'on utilise la même méthodologie que tu expliques. Donc, mm -hmm. euh, ça pour nous, 1000 euros, euh, c'était quand même. Très bien. Très bien. Ouais. Et euh, tu as parlé que tu as deux enfants. Est-ce que tu fais des investissements pour eux Comment ça se passe ouais, Les enfants, ils nous remercieront euh, quand ils seront grands. Parce que <laughs> la, petite, la petite a 9 mois et elle a déjà euh, un ETF S&P 500 à son nom. Mmh, et euh, cool. bon, Le Grand, il a deux ans et demi. Donc, euh, mmh. des choses que nous, on n'avait pas, que mmh. eux, maintenant, ils peuvent profiter. Et je pense que ça n'a pas de prix, honnêtement. Euh, ben, super cool. Ça, c'est bien. Ils vont, ils vont ouais. te remercier quand ils auront 18 ans pour faire les études et ils seront contents. Hein. <laughs> c'est ça, ça, ils seront très contents. Et ça, c'est suite aussi, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu avais fait un live sur Investir pour ces, pour ces enfants. Mmh. Et là, tu nous avais parlé de, de l'assurance-vie avec l'INCEA Spirit 2. Mm -hmm. Et euh, après, à partir de là, bon, on est allé, on, on est aussi passé par là. Quoi. Donc, eux, ils ont des comptes chez, chez Linkser, les petits là. Très bien. Bon, et parfois, les gens ne savent pas, mais euh, là, pourquoi j'appelle pas des formations J'appelle communauté parce qu'on a beaucoup plus qu'une formation. Parce qu'une formation classique, ce sont des vidéos enregistrées. Il y en a beaucoup mm -hmm. de vidéos enregistrées, beaucoup de contenus. Mais nous avons des lives pour les achats mensuels. Pour les gens qui sont abonnés au suivi ou ont acheté l'insider avec l'abonné du suivi, abonnement du de suivi des portefeuilles. Nous avons une communauté privée Facebook, nous avons des discussions là-bas aussi. Euh, Est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui attiré l'attention une fois que tu étais dans la communauté, quelque chose que tu n'attendais pas et tu dis, écoute, ça a vraiment de la valeur et mm -hmm. ça ajoute de la valeur. Est-ce ouais. qu'il y a quelque chose Il y a deux choses, je dirais. La première chose, c'est, euh, je pense qu'il y a 180 chapitres déjà dans le... Ouais, les ou sons, ouais. Il y a 180 leçons et il y a des leçons même sur comment faire ses impôts. Mm -hmm. Donc euh, il y a du tout, quoi. On va dire. Mm -hmm. Ça, c'est la première chose. Il y a des tests, il y a des quiz, il y a des vidéos, euh, euh, il y a, le, 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 il y a sur, sur les ETF, les small cap, les big caps. Et comme tu dis, chacun doit faire une stratégie dans laquelle elle est à l'aise. Ouais, il n'y a pas de ça. mauvaise ou bonne stratégie. Il faut voir une stratégie par rapport à toi. Donc, euh, ça aussi, c'est un point qu'on avait mis. Et la deuxième chose dans, la, dans, le, dans, le, dans le groupe, c'est que dans le groupe, il y a des gens qui sont puissants. Hein. Le groupe ah, il, oui. il vit, il peut rester euh, un mois, il, il, il s'auto-nourrit, euh, en fait. Euh, <laughs> il, y gens, mateux, il y a des gens, c'est des matheux, il y a des matheux dans le groupe. On ne va mmh. pas citer de nom, mais ils se connaissent. <laughs> les les matheux <laughs> le BBA et tout ça, là, ils se connaissent. Ouais. Euh, il y a des gens qui partagent des fichiers de comparatifs d'action. Il euh, y a des gens qui partagent les formules pour mettre à jour euh, les. Même aujourd'hui, je pense qu'il y a quelqu'un qui a partagé encore une formule pour retrouver euh, le code indépendance expansion dans pour rajouter indépendance expansion dans dans son fichier de suivi. Donc il euh, y a il y a il y a il y, y a du tout dans le groupe. Il y a des gens qui aussi qui posent des questions et qui veulent avoir une réponse de comment tu aurais fait. Donc il y a il y a, y, a, y a je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème sur Verbio il y a peut-être une deux semaines. Et mm -hmm. ce qu'on l'a tous conseillé dans son sens, c'est que elle voulait, cette personne ne voulait pas se séparer de Verbio. Mm -hmm. Beaucoup de gens avaient déjà vendu parce que c'est dur de vendre. Mais ce qu'on lui a dit, c'est que la première fois, c'est dur de vendre. Mais mm -hmm. après, sur 15 ans, 20 ans, en fait, acheter lundi, acheter vendredi, ça n'a pas de différence. Mm -hmm. Se séparer d'une action quand c'est plus bon, c'est une étape qui est difficile au début. Mais les autres fois, en fait, c'est facile. Donc, le, c'est ça l'avantage du groupe. On... Dans la majorité des il, cas, c'est la meilleure décision à prendre parce qu'on peut placer sur une autre action qui va performer mieux et on n'a pas besoin d'atteindre une mauvaise action, c'est récupérer. C'est vrai. C'est ça. Sachant que je pense que tu avais aussi montré une stat où une action qui perd 50%, il faut quoi 110% pour revenir à son état initial. Donc, ouais, euh... on a besoin de 50% pour euh, ouais, récupérer ouais, la... Moins, ça. La... la perte. Ouais. Ouais. Quelle Donc, est la probabilité euh, il... d'une société qui fait moins 50% de faire rapidement 100%. Bah, mmh. diffi c'est difficile de récupérer dans certains cas. C'est pour ça qu'une des règles que nous utilisons, c'est des moins 25, moins 30%. On doit faire quelque chose, soit renforcer, ça. soit vendre l'action si vraiment la situation n'est pas bonne. Mais l'effet, il y a beaucoup d'études en fait. Je n'ai pas créé ça de ma tête, mais je ne sais pas pourquoi mmh. beaucoup d'analystes, des fonds d'investissement, des youtubeurs, je ne sais pas. Une des règles principales, c'est n'est ne pas tomber sur des billets qui nous empêche gagner mm -hmm. de gagner de l'argent. Et un biais de l'être humain, c'est d'éviter la perte, parce que la perte, ça fait du mal psychologiquement pour nous. Mm -hmm. Et donc, on, quand mm -hmm. on voit quelque chose à moins 20, on dit, je ne vais rien faire, ça va monter. Moins 30, ah, je ne vais rien faire, ça va monter. Mais parfois, et dans la majorité des cas, c'est beaucoup plus intéressant de prendre une décision. Si la société, elle a perdu 30%, mais ne méritait pas, les marchés exagèrent, tout le monde est pessimiste, mais les ratios de la société, ils sont bons, on va renforcer. Si vraiment la société n'est pas bonne et toutes les choses déchirent, bah, on va vendre l'action, prendre l'argent qui reste et placer sur des actions qui vont donner un retour plus rapidement. Euh, bah, à l'époque, j'avais acheté, je vais donner même un exemple des, des mauvais résultats, mauvaises décisions, qui, mauvaises décisions que j'ai prises. La méta, il avait des bons ratios, mais j'ai acheté à un mauvais moment. Euh, les, les ratios étaient bons, mais pas au top. Ensuite, la société a fait qu'elle baissait, elle était à moins 30, je pense, j'ai vendu. Il a déjà dit, Michael, mais Meta, c'est géant, elle va se récupérer. J'ai dit, ok, mais je ne sais pas combien de temps ça va mettre pour se récupérer. Pour acheter maintenant, c'est top, mais moi, je suis à moins 30 déjà. J'ai pris l'argent des Meta et j'ai acheté uh, Two Brothers et Perion à l'époque. Adcore et Perion, pardon. Et bah les deux sociétés uh, ont déjà touché 70%, l'autre touché 40%. Donc, même avec la hausse des Meta, moi, j'étais à moins 30. Ok, maintenant, elle a fait oui. 100%, mais moi, j'étais à moins 30. Donc, il fallait faire à 45, 50, juste pour arriver au zéro pour moi. Donc, les décisions des managements sont très importantes. Euh, une chose que tu as parlé aussi par rapport à il y a 140 leçons, etc., c'est que c'est top. si les mecs il veut devenir presque un analyste, il va devenir en regardant tout. Si la personne ne s'est pas intéressée à aller à fond, pas de souci. Il a deux ou trois chapitres seulement à regarder. Donc, la, mm -hmm. façon, la communauté, elle est construite de la façon suivante. Je vais devenir un expert, vous allez devenir un expert. Si vous voulez juste avoir les minimums possibles d'informations pour avoir les maximums possibles des résultats, vous pouvez aussi, il suffit de regarder les deux premiers modules, ensuite choisir la stratégie, et regarder quel est le module de la stratégie. Donc c'est pour ça que c'est fait pour tout le monde. J'ai souhaité depuis longtemps de faire ça. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais euh, aujourd'hui sur YouTube, il y a des formations qui sortent sur un mois, des mois, et créent de formations comme ça. Moi, j'ai mis des ans de ma vie pour construire ça. J'ai passé des heures par jour pendant des ans pour construire les contenus. Les présentations que vous voyez pendant les vidéos, euh, moi, j'ai fait plus de 60 présentations PowerPoint avec des graphiques et des sources juste pour pouvoir tourner les vidéos après. Les, les éditer, etc. Donc, ça donnait beaucoup de travail, mais les travaux ça termine toujours pour payer. Je suis euh, content d'avoir une communauté avec plus de 700 personnes, bien plus de 1000 clients, bientôt plus de 1000 personnes dans la communauté, et ça, c'est cool. Et, euh, et je te remercie d'avoir fait mm -hmm. confiance à Vinto. Et euh, je voudrais que tu donnes un conseil aussi aux collègues qui regardent là, parce qu'il y a plus d'une centaine de personnes qui regardent. Et tu penses pour un débutant qui a peur d'investir, ou sinon quelqu'un qui a déjà commencé en 2020, quand tout le monde a commencé, et qui vraiment y a pas encore une stratégie ou encore peur, ne sait pas quand acheter, quand vendre. Quel conseil que tu donnerais pour cette personne euh, s'ajuster et vraiment euh, commencer à avoir des profits ouais. dans la bourse ouais. Je pense que le plus dur, en tout cas nous, ce qu'on a vécu, c'est que déjà le plus dur, c'est, enfin le plus dur, la première barrière psychologique, c'est déjà d'ouvrir le compte. Rien que ça. parce que ah ouais. on s'en rend pas on compte me mais des on peut regarder. Des Je me souviens, honnêtement, rien que ouvrir un compte chez Bourse Be Direct, Dégiro, etc., rien que ça… Ça est stressé, euh, la déjà. Première... Ouais, rien que ça, déjà, tu as la pression. Parce que tu ne te rends pas compte, oui, on va encore, ça va être la paperasse, etc. On est en France, ça va durer un, un, un mois, deux mois juste pour ouvrir des comptes. Ils vont me demander plein de données. Mais non, en fait, c'est assez rapide. Donc, eux, ils attendent que beaucoup de gens ouvrent des comptes. Donc, eux, ils sont assez rapides, on va dire. Et rien que ça, c'est la première action. Et le fait de, de faire le premier achat. Nous, notre premier achat, c'était des ETF. Les ETF, c'est assez facile, on va dire. Le fait de faire les premiers achats, de cliquer sur la première… Ce que je vais dire, c'est terre à terre, mais c'est vraiment psychologique. De cliquer pour la première fois le fait d'acheter, ça, c'est des premières barrières psychologiques qui mmh. peuvent prendre plusieurs jours, en fait, et plusieurs mmh. semaines même, rien que pour faire les… Mais une fois qu'on a fait les premiers achats et qu'on n'a plus la pression de 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 de, de... c'est fait en fait c'est fait ça ça part de façon exponentielle mm -hmm. on se passionne très rapidement et quand on se passionne on se renseigne plus plus on se renseigne plus on est compétent donc c'est un cercle vertueux qui qui euh, qui s'instaure donc je nous c'est par ce chemin par lequel on est passé et euh, on a eu la chance aussi d'être tombé sur, sur on va dire sur toi aussi parce que bon on, euh, le fait que d'être directement guidé sur les rails et sur une philosophie aussi que nous on aime, c'est que on aimait vraiment voir les chiffres, voir les graphiques, euh, voir les explications qui étaient claires. Nous, ça nous a vraiment mis en confiance, et, euh, et je pense que ça, ça ouvre l'autoroute du succès, on va dire. Très bien, très bien. J'ai, il y a des, beaucoup des de débutants qui, comme tu dis, ils ont peur ou ils hésitent à faire quelque mmh. chose. Mais une fois que tu mets la machine en action, tu mets la machine en action, ça. tu commences à être motivé. Si tu commences avec une stratégie, je ne sais pas, juste un exemple, une stratégie à dividendes qui paye des dividendes, après quelques mois, tu vois quelques, tu vois quelques dizaines d'euros qui tombent parce qu'il t'a décidé d'investir. Il n'est pas laissé sur les livrets. Ça. ça te motive à investir chaque fois plus. Je te donne un ça. exemple. Il y a, il y a Barbara, c'est une Brésilienne. J'ai aussi une, une société qui aussi euh, à une communauté d'investissement pour les Brésiliens qui sont expatriés et qui veulent investir au Brésil ou ailleurs. Et normalement, quand on pose des questions dans les questionnaires pour voir à euh, connaître un peu les gens, combien vous pouvez investir par mois La personne elle répond, exemple, 100, 100 euros. OK, 100, 100 euros. Mais c'est presque sûr qu'après 3, 4, 6 mois, elle peut investir plus que ça. Parce que quand elle commence ça. à voir les choses augmenter, rentabiliser, etc ça motive à placer un peu plus. Mmh. Donc, euh, voilà, mmh. il, faut, il faut commencer. Ouais. Il y a des choses qu'il faut juste commencer. Je vais te donner aussi un exemple, pour, pour les, pour les, surtout pour les débutants, parce que bon, je sais que sur Internet, il y a beaucoup de gens qui décrivent la stratégie à dividende, etc. Ça, c'est une autre polémique. Mais le premier dividende que l'on touche sur un PEA, en fait, le, le, le boost psychologique que ça te donne, mmh. c'est incroyable. Parce que nous, le cheval, mmh. je pense que le premier dividende qu'on a touché, c'était Total. Okay, même si on n'avait pas acheté à total à 38, comme certains ont acheté, nous, je pense qu'on avait acheté à 50, mais peu importe. Le, le, la première fois qu'on reçoit de l'argent de quelqu'un, entre guillemets, et que ça tombe sur le compte, psychologiquement, ça te donne un, 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 un boost d'enfer. Et ça te peut mm -hmm. te permettre aussi de, de risquer plus, de te renseigner plus. Donc, pour, 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 pour un débutant, commencer par, une, par deux, trois entreprises à dividendes dans un PEA, rien que pour ceux. Pour, pour commencer, ça peut déjà permettre de déclencher la machine. Quoi. Ah, imagine, sûr. tu restes sur ton compte et quelqu'un te vire de l'argent comme ça, entre guillemets. C'est euh... <laughs> ce que je disais hier, hier sur les lives, euh, la bourse, elle est tellement démocratisée, on pense que les sociétés versent les dividendes parce qu'ils font de bénévolat, mais non, ils veulent verser les mmh. dividendes parce que ça va payer les directeurs, ça va payer les présidents, mmh. la famille qui a créé la société, ils ont beaucoup d'actions. Donc quand ils vont verser... Euh, 200 millions d'euros en actions, eux, ils vont recevoir beaucoup. Mais ils sont obligés mmh. par la loi de verser des dividendes à ceux qui ont une mmh. action, 10 actions, 50 actions, parce qu'ils doivent répartir également proportionnellement à la quantité d'actions de, de chaque investisseur. Donc, si toi, mmh. tu as 50 sociétés, 50 actions, pardon, tu vas recevoir tes dividendes proportionnels à 50 actions. Et, et ça te permet de dire, écoute, j'ai fait, il y a une grande société qui travaille aussi pour moi. Mon argent, maintenant, il mmh. travaille. Il ce pas au livret euh, à côté. C'est ça. Mais ça me fait penser aussi à un truc que tu avais dit, parce que, bon, j'ai aussi suivi pas mal de lives, on va dire. Et sur mmh. un des lives, tu disais que, en fait, parce qu'en France, l'argent, c'est un peu tabou, quoi, on va dire. Donc, on n'aime pas trop les gens qui ont de l'argent, etc. Euh, être un actionnaire à la télé, c'est vraiment quelque chose d'hyper négatif. La dernière fois, il euh, y avait Total qui avait fait des bénéfices records. Euh, euh, C'était passé à la télé sur BFM et tout, c'était parce à le décrit de manière extrêmement négative. Et ce jour-là, Total avait quand même perdu 5% en bourse. Et à la télé, on disait, oui, Total a fait 19 milliards de bénéfices et du coup, ça va être redistribué aux actionnaires, etc. etc. Et moi, je regarde le cours de bourse, ça a perdu 5%. Mais en fait, pourquoi ça a perdu 5% Parce que les analyses s'attendaient à plus. Donc, en fait, c'était était, Je regardais la télé et bon, je voyais mon compte, on était dans <laughs> deux mondes différents. Quoi. Je voyais l'action avait baissé 5%, je me suis dit, ah oui, peut-être c'est bien, bien de renforcer en ce moment. Et à la télé, on disait, oui, les actionnaires, etc., on les décriait donc. Moi, je suis actionnaire total, mais non, je vois ça à différentes Mais ce que tu disais, c'est que nous, on veut être des actionnaires d'entreprise. En fait, c'est ça uh -huh. que nous, on veut être. On ne uh -huh. veut pas se retrouver du côté où euh, le monde, il va à droite. Le monde il va à droite et l'actionnariat, les gens ils veulent s'enrichir pour pouvoir développer, pour pouvoir prévoir, pré pré pour pouvoir garantir leur futur. Et en passant par l'actionnariat, c'est le meilleur moyen en fait de bénéficier de toute la richesse qui est produite dans le pays. Et c'est euh, pour ça qu'il faut acheter, investir. Donc, euh, tu as dit ça dans si, l'objectif des gens, c'est gagner euh, de l'argent si l'objectif des sociétés c'est gagner de l'argent tant mieux parce que je peux être à côté des sociétés qui veulent gagner de l'argent et je peux être actionnaire et gagner avec donc euh, mmh. voilà c'est une chose qu'on doit, on doit toujours penser quand nous sommes partenaires des sociétés nous sommes partenaires des bénéfices aussi évidemment que si la société va pas bien on est partenaire et c'est là notre boulot d'avoir une bonne stratégie et être guidé de la bonne façon et euh, mmh. bien sûr pour, pour terminer notre interview là je te remercie déjà euh, je, je voudrais savoir qu'est-ce que tu fais depuis quelques années maintenant que tu es déjà insider dans la communauté. Euh, qu'est-ce que tu fais encore? Regarder les lives, regarder des sujets des finances. Parce que là, on peut se poser sur un autre biais maintenant. Moi, j'ai déjà vu une forme. On se pose, un autre insider peut penser comme ça ou quelqu'un dans une autre formation. J'ai déjà regardé tous les contenus. Je sais ce que j'ai fait. Je connais tout. Et donc c'est bon. Je, je vais juste laisser tomber tout le reste. Pourquoi tu essayes d'être toujours alimenté et connecté sur les sujets euh, oh, C'est aussi une très bonne question. C'est que déjà, faut, faut, en fait, la connaissance ça finit jamais de toute façon. Mm. Donc on peut jamais tout connaître. Il faut tout le temps en fait s'enrichir. Se, 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 ça c'est la première chose. Deuxièmement, les choses elles évoluent dans le temps. Donc il faut être tout le temps à jour. Moi je vois ça aussi dans mon métier. Bon, SAP, tout le temps, il sortent des nouvelles solutions, etc. Donc, il faut tout le temps se former en fait, pour être au courant de ce qui se passe pour l'argent, qui est encore plus important, on va dire. Il faut tout le temps aussi être à jour, se former. Il y a une chose, peut-être, qui a été dit dans un live il y a trois mois, mais que tu as oublié ou que tu n'as pas bien retenu, c'est redit dans deux mois. La répétition fait aussi en sorte qu'on maîtrise mieux et euh, qu'on qu comprend mieux. Donc, euh, moi, je pense que. Moi, je pense que je suis venu au moins à 99% des lives. Hein. Très euh, bien. Je suis <laughs> très bien, très bien. Écoute, j'ai mes voix un peu sur toi parce qu'il y a certaines sources d'informations, des personnes qui j'écoute euh, tout aussi. Et donc, euh, quand on voit qu'il y a quelque chose qui nous guide dans les bons chemins, je, et je pense que même à la répétition, à la force d'écouter mm -hmm. les mêmes choses, la façon qui ça s'est dit. Donc, on peut retirer des autres informations qui se connectent avec des autres connaissances. Euh, C'est comme les livres, de, les, les groupes de lecture que j'ai créés et qui gagnent là. Euh, C'est moi, nous sommes en train de lire euh, L'Esprit euh, Millionnaire. Et oui, j'ai déjà vrai. lu ces livres quelques fois. Et à chaque fois que, que j'ai lu ces livres, j'ai quelque chose qui, qui me capte encore. Tu vois, même à la répétition, oui. il y a quelque chose qui me qui, qui me capte. Et je pense que sur la finance, sur la bourse, c'est toujours la même chose. C'est jamais c'est toujours bien d'être connecté et, et avoir la bonne stratégie mmh. dans la tête et faire le suivi de tout ça. Et c'est intéressant. Et c'est pour ça que tu es un sider d'élite maintenant, mon Félicitations. <laughs> tu déjà un sider d'élite. Hein. Il manquait juste la bureaucratie de l'interview, de raconter ton histoire ici. Parce que ça peut motiver, pas seulement motiver les collègues qui regardent ces lives, mais aussi euh, casser des biais de certains qui disent Ouais, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas fait pour moi, j'ai peur de commencer. Ça peut motiver parce qu'une fois, une chose, c'est moi, un analyste en train de dire investissez. Une autre chose, c'est quelqu'un qui a sa profession, sa famille euh, en train de dire écoutez, il faut y aller, euh, c'est important d'investir. Et ce n'est pas important euh, parce que moi, j'ai une communauté d'investissement. Je m'en fous. Si vous regardez ça mmh. et vous commencez à investir déjà et même que vous ne devenez pas un jour mon client, euh, ça va parce qu'en fait l'effet d'être investisseur ça va alimenter mm -hmm. tous les réseaux, les, les familles mm -hmm. vont commencer à investir, les enfants ils auront un futur mieux, on va voir une société avec une retraite plus tranquille parce qu'il y aura un complément de retraite donc on fait, on fait ces cycles fonctionner et donc c'est ça que j'aime bien, c'est pour ça que j'aime ma profession et j'aime bien partager les choses avec vous et bien sûr merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui mm -hmm. Ok moi. merci merci ouais merci toi aussi hein. Mais toi, euh, et merci merci à moi. ta femme aussi hein, qui t'a fait reconnaître la chaîne et regarder les premières vidéos aussi et faire euh, les consultings avec moi merci à toute la famille bon? ouais j'ai pas dit de bêtises c'est bon ouais. elle va <laughs> non elle, elle sera elle sera contente tu peux être sûr de ça <rire> <rire> ok bon merci, merci beaucoup hein. Excell excellent soirée okay. à plus ciao ciao voilà, voilà, on a ici qui a partagé son expérience avec nous. Maintenant, je vais répondre à quelques questions encore ici avec vous. J'avais, regardé une question ici pendant que j'ai discuté avec euh, Mansour, une question intéressante d'Alfred. Euh, à quel niveau, pourcentage, tu de places des stop loss, Alfred Je pose jamais des stop loss. Les gens qui ne savent pas ce que c'est les stop loss, c'est un certain niveau qu'on va automatiser dans notre compte d'investissement qui dit Si la société touche cette valeur, je vends automatiquement parce que je ne veux pas perdre plus. Et ça, c'est une erreur catastrophique pour l'investisseur de long terme. Ça veut dire que vous êtes en train de laisser les autres personnes décider pour vous. Vous êtes en train de laisser les présidents des États-Unis dire des conneries et vendre ton, ton action. En fait, j'adore les gens qui font du stop-loss. Normalement, ils sont en train de vendre des bonnes actions à moi. Pourquoi Imaginons, nous sommes pendant la pandémie 2020. Vous étiez déjà actionnaire. Vous aviez l'action de quelques sociétés de technologie, quelques sociétés de luxe, quelques sociétés, je ne sais pas. Imaginons que vous, avez, vous aviez des stop-loss partout, sur toutes les sociétés. Ça veut dire que quand les sociétés ont touché les moins 20, moins 30%, vous, avez, vous aviez tout vendu. À ce moment, vous avez du cash, mais vous allez acheter qu'un. Qu'est-ce que vous allez acheter Écoutez, les sociétés ont perdu 20 ou 30%, C'est, n'est pas parce que, en fait les résultats avaient diminué. C'est parce que tout le monde paniquait. Les fonds d'investissement vont vendre des sociétés pendant les crises pour justifier aux actionnaires qu'ils ont ils n'ont pas des sociétés en perte ou des sociétés qui peuvent euh, devenir euh, des sociétés en perte. Et nous, nous ne sommes pas un fonds d'investissement, nous sommes des actionnaires particuliers. Notre objectif, c'est d'accumuler des actions sur le long terme, accumuler des bonnes actions sur le long terme. Donc, on n'a aucun objectif de vendre des bonnes actions parce que simplement les actions baissent. On n'achète pas une action simplement parce qu'on regarde les cours, les graphiques. On achète une bonne action pour devenir partenaire. Et donc, au contraire, si les bonnes sociétés pendant les crises on achète on achète massivement et je parle pas ça comme ça en 2020 2021 vous allez chercher sur ma chaîne youtube des manières gratuites pas seulement dans ma communauté j'ai fait des vidéos pour dire c'est le moment de renforcer c'est le moment d'acheter c'est grâce à ça que j'ai des élèves qui ont acheté au total proche à une trentaine d'euros Aujourd'hui, ils ont 5% des plus-values et un dividende qui touche les 11-10%. Parce que Total a commencé à verser les mêmes niveaux de dividendes de toujours, mais ils ont acheté l'action à la moitié du prix. Donc, si Total aujourd'hui paye 5% des dividendes à tout le monde qui achète l'action à 50-60, les gens qui ont acheté l'action à 30 euros, ils, un, un, ils ont acheté l'action à 30 euros, ils vont recevoir 3 euros de dividendes. Donc, ça fait 10% des rentes passives. Et ça, on arrive à faire seulement si on investit pendant les crises. Tout ça pour dire que les stop loss, c'est une mauvaise décision. C'est laisser les marchés décider pour vous. N'utilisez pas des stop loss, c'est la recommandation que je vous donne. Vous n'allez jamais trouver, par exemple, demandez à William Gons, demandez pas, même, à, même pas à moi, William Gons, les meilleurs investisseurs, les meilleurs gérants d'investissement de euh, l'Europe euh, sur les 30 dernières années. Il utilise des stop-loss Non, il n'utilise pas. Peter Lynch, il utilise des stop-loss Utilisait Non. Warren Buffett, utilisait des stop-loss Utilise des stop-loss Non, il n'utilise pas. Okay? Je vais voir des autres questions ici que vous avez posées. Miguel, Michael, est-ce que tu connais les ETF, MSCI, USA, Small Cap, euh, Value Weighted La performance, elle est folle, même comparée au seuil de des 500. Oui, je connais. Euh, malheureusement, on ne peut pas, pas l'acheter sur les PA, mais sur un compte classique d'investissement, on peut l'acheter. Qu'est-ce qu'il y a dans cet ETF Ce sont des Small Cap, petites sociétés. Value, donc ça veut dire qu'elles sont sous-évaluées, moins chères par rapport à la moyenne de marché. Weighted, ça veut dire que les poids, elles sont répartis également. Et donc, vous avez une performance qui est même pareille ou même mieux, ça dépend de la période qu'on va analyser, est les des 2000 et l'Espice 100. On est des de beaucoup de débutants aussi, ou des gens, c'est pas de connaître quelques. Celui-là, il est très spécifique. Vous n'êtes pas obligé de connaître cet ETF-là. Si tu les connais, Miguel, si tu viens de les connaître, félicitations, c'est pas tout le monde qui cherche ça. Mais beaucoup de gens connaissent même pas les MSA, USA qui rentabilisent plus que l'espicens 1. Donc, on peut acheter des ETF qui rentabilisent même plus que l'espicens 1. Mais les gens ne connaissent même pas ça. Et après, je suis, je profite de ta question pour faire une critique aussi. Parfois, on est obligé d'écouter sur des autres vidéos YouTube des autres personnes qui disent, euh, c'est impossible de battre les marchés. Et non, c'est impossible de battre sans. 1. Écoutez, si on achète juste un MSCI USA, qui c'est un ETF, on a déjà un ETF américain qui bat l'espicens 1. Si on achète un ETF MSCI Quality, ça veut dire marché américain avec des sociétés de qualité, on va battre déjà l'Espice 500. Donc, euh, il y a des gens qui essayent de faire la vente de leur euh, formation biaisée euh, ETF. Comme je viens de dire, la, euh, la, la stratégie ETF, elle est excellente. Mais est, ça dépend si c'est pour vous ou pas. La stratégie dividende, elle peut être excellente ou pas. Ça dépend de votre stratégie choisie. Euh, la stratégie Smoke pareil. Cet ETF-là, il est super intéressant si vous investissez avec un, un compte des Giro, surtout. Etf Small Cap Evaluated, on laisse là la recommandation de notre ami Miguel. Alexandre, les plus intelligents et les plus malins. Des gens qui sont en live. Michael, qui sont les actions PA à investir en ces moments C'est la question du moment. Ce que vous voulez, ce n'est pas la théorie financière, ce n'est pas les ratios. Vous voulez savoir à quoi mettre de l'argent maintenant. Il n'y a pas de souci, Alexandre. Et je vais même te donner les noms, mais pas aujourd'hui. Je vais donner les noms des sociétés quand nous serons sur les lives que je vais faire demain et vendredi sur les masterclass. Parce que je vais parler des sociétés intéressantes à dividendes. Et donc, je vais citer les noms de quelques sociétés à placer sur les PA. Ok, donc euh, je, vais, je vais te répondre, mais un peu en retard. Il faut être en live demain et vendredi pour connaître les noms de quelques sociétés. Je ne vais pas dire les noms d'une ou des sociétés, je vais dire les noms de plusieurs sociétés. Ok, et la même chose pour euh, notre collègue. Si tu devais acheter, acheter trois actions françaises sur un PA, je vais citer une société intéressante à dividende à ce moment Cofas, qu qui a un dividende supérieur à 8%. Société d'assurance euh, fiable, avec un bon bilan, positif, aucune dette, euh, bilan financier pour une assurance très bien contrôlée, euh, voilà, Kofa, si c'est une société dividende, AGT en est aussi, euh, vous avez la société belge Solvay, euh, vous avez aussi euh, à un prix très intéressant à ce moment, voilà, des sociétés AGT en est déjà, mais sur les lives, je vais citer plusieurs autres sociétés, ok Anthony, quel commercial, Michael <laughs> Voilà, tu as vu J'ai fait bien ou pas Écoutez, je vais voir si vous avez d'autres questions. Allez, je vais vous donner 5 minutes pour poser des questions là encore. Je vais répondre les dernières profitez. Alexandre, qu'est-ce que tu penses d'investissement en crypto DCA As-tu une formation crypto dans la formation Cyber Non, on a juste quelques trois ou quatre vidéos qui expliquent les fonctionnements de blockchain et crypto de manière générale. Mais euh, c'est un sujet des finances qui, j'ai préféré, n'est pas ajouté dans la communauté. Pourquoi Parce qu'on part du principe qui n'importe quelle stratégie boursière, on est partenaire de nos sociétés. Et on est partenaire de nos sociétés et on peut regarder les résultats trimestriels. Euh, l'investissement sur les cryptos, on ne peut pas faire ça. Donc, je ne suis pas contre l'investissement investissement crypto. Il y a beaucoup d'insiders qui les font. Okay Et la, ma recommandation, elle est générale. Ne pas avoir plus que 10% de votre patrimoine sur des cryptos. Et là, il s'est déjà démontré que la façon de faire les DCA sur les bitcoins sur les dernières années a rentabilisé hyper bien. Donc, c'est même mieux de faire les DCA sur n'importe quelle stratégie que de les placer dans un seul coup. ok Donc, ma, si j'ai une opinion sur ça, elle est positive. L'opinion des différents de sur les cryptos. OK. Et Miguel a dit ici, Il a un excellent tableur de suivi des cryptos. Ah, Miguel, grâce à toi aussi, hein? <laughs> on a un outil dans la formation, aussi adapté et terminé d'être construit par, par des collègues de la formation. Et donc, il va, vous pouvez faire les suivis de vos cryptos en utilisant notre, notre outil qui c'est gratuit dans la formation pour les gens qui sont déjà dedans à la place de vous fier sur des sites qui sont payants pour faire les suivis de vos cryptos, les ventes, les achats, la vraie rentabilité, l'historique qui est enregistré, etc. Ok? Michael, je suis sur deux stratégies. Combien d'actions par stratégie tu conseilles? Euh, conseil général qui va fonctionner pour tout le monde. N'ai jamais dépassé les 30 ou 35 actions, toutes les stratégies mélangées. N'ai jamais dépassé 30 ou 35 actions, toutes, toutes les stratégies mélangées. Et pour chaque stratégie, minimum 7 ou 8 actions. Si tu suis cette règle-là, normalement, tu ne feras pas des bêtises. Maximum 35 pour toutes les stratégies, minimum 7 sociétés pour stratégie. Idéalement, 10, 12. OK? Entre 8 et 12, ça va. Ça marche? Alexandre, quelle plateforme de courtage tu pour le CTO? Ah, Alexandre, il ne faut pas oublier, hein? je suis brésilien, j'ai résidence fiscale aussi en France. Comme brésilien, je peux avoir un compte directement aux États-Unis. Donc, si tu demandes mon CTO, j'ai au moins une dizaine de CTO. <laughs> Surtout que je suis analyste financier, je suis un peu obligé de tester les CTO. Mais euh, pour te donner une réponse, ma recommandation pour mes clients, c'est d'avoir un CTO normalement chez Interactive Brokers, soit chez Interactive Brokers, soit des Giro. Normalement, ce sont les deux qui fonctionnent mieux. Interactive Brokers, euh, ça fait quelques mois qu'il a commencé à avoir des frais plus intéressants que des Giro. OK? Donc, un compte chez Interactive Brokers, ça fonctionne super bien. Rien n'empêche d'avoir un compte CTO Bourse Directe, un compte CTO Boursorama. Mais normalement, des Giro et Interactive Brokers vont avoir beaucoup plus d'actifs disponibles, surtout des ETF et des actifs américains. Ok J'ai parlé de ça, que j'ai beaucoup des de comptes d'investissement, etc. Juste pour vous donner un exemple hein. les PA, qui sont les, les comptes ultimes pour l'investisseur français, 0,1% sur les dividendes, etc. Bah, moi, si j'ai un compte brésilien, moi j'ai aussi zéro, dividend, zéro impôt sur les dividendes. Parce qu'au Brésil, c'est un des seuls pays du monde qui a zéro impôt sur les dividendes. Donc vous voyez, euh, j'essaye d'adapter ma réalité personnelle aux choses que je peux me bénéficier. Donc euh, ça dépend de ta nationalité et ça dépend de beaucoup euh, d'informations, tu vois, les comptes que tu vas utiliser. De manière générale, c'était c'était européen. Okay, résidence fiscale en Europe, Interactive Brokers et DGRO sont les meilleurs choix. Chris, bonsoir. Est, bonsoir Chris. Il est intéressant d'acheter une action auprès des détachements de dividendes ou c'est la peu d'importance? Chris, la peu d'importance parce que nous voulons garder nos sociétés à dividendes sur les longs terme. On veut recevoir des dividendes pendant plusieurs années. Et on a la tendance de faire des achats réguliers sur la société. Donc on ne va pas acheter une fois, recevoir les dividendes et après on fait quoi? Sauf si tu es un millionnaire, là, tu vas dire, Michael, je vais placer 1 million d'euros sur telle société et retirer les dividendes. Mais même mathématiquement, ça ne fonctionne pas comme ça parce que normalement, les cours de la société vont compenser aussi les dividendes versés. Ce n'est pas toujours le cas. La théorie dit que ça doit arriver toujours. Donc, si tu reçois soit 5% des dividendes, les prix de l'action doivent tomber 5%. La théorie dit ça. Dans la pratique, ce n'est pas vrai, 100%, mais ça arrive assez normalement. C'est fréquent, ça. Donc, euh, ça ne sert à rien d'acheter et après, n'est pas renforcé. Donc, on va justement ajouter une société pour la garder et devenir partenaire des long ok Tu verras vraiment les gains venir et l'effet boule de neige sur les long termes. OK? Il y a un collègue qui a posé des questions par rapport à Itoro. Je ne recommande pas assez. Je préfère des sociétés qui ont les sièges sociaux euh, sur des pays euh, plus occidentaux de l'Europe, des sociétés qui ont, sont plutôt plus claires, qui sont là depuis longtemps. Des Giro est là depuis longtemps, un siège social entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Interactive Brokers, c'est les plus gros courtiers euh, de la planète, les plus anciens. Donc, euh, Essayez pas d'économiser un euro, un euro 50 avec des ordres d'achat ou avec un courtier. À un moment donné, si vous avez un courtier gratuit, à un moment donné, il va commencer à demander des frais. Personne ne travaille gratuitement, il faut, faut oublier ça, okay? Mieux vaut investir sur les ETF sans CTO, ça veut dire euh, sur les PA, tu peux acheter des ETF, certains ETF américains, mais c'est un peu limité. Sur les CTO, par contre, tu as la liberté complète, surtout si tu as un, un, un compte d'investissement comme des Giro et Interactive Brokers. Donc là, vous allez trouver plein d'ETF, des centaines d'options d'ETF, donc ça vient, devient intéressant. Ok Mes amis investisseurs, pour aujourd'hui, c'est tout. Demain, je serai là à 20h pour faire un nouveau live avec vous. N'hésitez à participer et poser des questions. Demain, on va répondre à certaines questions très intéressantes. Si j'ai un montant X des patrimoine, combien de pourcentages je peux retirer de ça sans impacter les montants principaux? Ou quel pourcentage je peux retirer si je veux, si je veux par exemple, ne pas laisser d'héritage et on va faire une simulation si j'arrive à vivre jusqu'à une centaine d'années? On va aussi regarder quelles sont les sociétés dividendes les plus intéressantes en Europe à ce moment et pourquoi pas les ETF. Tout ça, on voit demain et vendredi. Merci d'être là. Merci Mansour d'avoir participé. Je vous remercie énormément et on se voit demain pour un prochain live. Ah, n'oublie pas, hein, euh, vous pouvez rentrer dans les groupes WhatsApp pour ne pas rater les liens du live de demain et dans la description de la vidéo, vous avez la liste d'attente pour les prochains groupes d'insiders de ma communauté d'investissement. Les gens qui sont préinscrites rece vont recevoir les liens en avance et donc peuvent s'assurer parmi les 50 qui sont sélectionnés. Okay? On se voit demain dans notre live.